Ben là, on a pris un peu de canard, tu vois bien. On a pris quelques canards, on a pris des merguez, des saucisses. On a encore des grosses poules vers nous. Voilà, pour faire la broche ce soir, toi. Peut-être 13-14 litres d'alcool de Jack Daniel. Sans compter la Volca, le Ricard. Enfin, il y a quoi se faire plaisir, quoi, ce soir. Il n'y a rien de volé, là. Comme tu vois, il n'y a rien de volé. Enoch, comme beaucoup de gens du voyage, vit de petits boulots et du RSA. Pour financer la fête de Cassiopée, tous ses cousins ont participé. Pour combien il y en a, là ? 500-600 euros en tout. C'est quand même une grosse somme. Écoutez, c'est pour la naissance d'une petite. C'est-à-dire que, ouais, on n'a pas des petits tous les jours. Hein. Donc, c'est une grosse somme, oui et non, quoi. Ouais. On est beaucoup, il faut dire, aussi. Ouais. Puis, vous savez, on économise aussi un peu. On a un peu d'argent tous de côté, vous voyez comment c'est. Comme vous, quoi. Selon Enoch, dans le caddie, tout juste de quoi rassasier les 40 personnes attendues ce soir. Malgré la générosité de sa famille, le budget est serré. Chaque euro compte. Maman, bibi, quand même. À chaque fois, tu fais esprit, non? Chaque fois, elle fait ça. Guignol. Ma vie. Chaque fois, tu fais ça, à chaque fois. Non, mais c'est vrai, rigole pas, mongol. 20 euros, là. Tu rigoles encore? On a perdu une bouteille à cause de toi. Avant la naissance de Cassiopée, Enoch était un habitué des gardes à vue pour des affaires de vol ou de drogue. Aujourd'hui, le père de famille dit s'être rangé. Mais il continue, malgré tout, de prendre certaines libertés avec la loi. Non, en vérité, j'ai pas le permis, puis je conduis depuis l'âge de 15 ans, je conduis. C'est pas gênant, ça, de conduire sans permis? En vrai, si, parce que si tu fais un accident, je perds tout, quoi. Mais là, ça y est, là, je me suis fait occuper de moi et là, je vais le passer, normalement, là. Je le passe cet hiver, là, parce que t'as vu, j'ai eu ma petite. Et depuis que j'ai ma petite, je change, quoi. Ouais. Écoute ça, tu vas voir. Viens pas pleurer, t'es pas sur ma liste. Malgré ses propos, Enoch ne semble pas avoir conscience que conduire sans permis met en danger la vie des autres usagers de la route. Parle pas de star, on n'aime pas ça. Passe-moi le shit et les massas que je représente. Le rappeur n'a pas le budget pour louer une salle communale. Alors il a trouvé une solution gratuite. Le temps d'une soirée, il va squatter un hangar abandonné, perdu en pleine campagne. Enoch a déjà commencé à installer le mobilier. Deux de ses cousins sont là pour lui donner un coup de main. Reste la question du ménage. Et pour le rappeur gitan, la répartition des tâches est assez claire. Je ne veux pas passer le balai, moi. Ouais, pourquoi ? Je ne suis pas une femme. J'ai une femme, je ne veux pas passer le balai, moi. Il est fou, non ? C'est vrai pour dire. Non, moi, je n'ai pas été élevé comme ça, t'as vu ? Je n'ai jamais balayé de ma vie. Moi, j'ai l'habitude que ma mère, elle a toujours tout fait, que ma femme, elle fait toujours tout. Moi, j'ai jamais... Ouais. Pour ça, pour les tâches ménagères, mettons. C'est propre à la communauté des gens du voyage, non? Ouais, souvent. C'est vrai. Fidèle à la tradition gitane, Enoch se contentera de déplacer quelques meubles. Quelques heures plus tard, le hangar est prêt à accueillir la famille du rappeur qui arrive au compte-gouttes. Enoch assigne à chacun sa mission. C'est bon. La plus importante pour une fête gitane réussie, préparer un beau barbecue. Chez nous, on appelle ça Irecha. T'as deux vrais, là. Spécialistes de la préparation. C'est pas nous, les petits jeunes, qu'on arrive à faire quelque chose, nous. Le spécialiste, c'est David Lopez, le patriarche du clan et doyen de la soirée. Technique gitane. La technique gitane, on appelle ça chez nous ishpiza. C'est-à-dire ? Ishpiza, ça veut dire c'est la broche. Je suis pas spécialiste, mais tout le monde aime bien faire ça chez nous. C'est l'ancien. Ouais, c'est moi le plus ancien ici. Voilà. Malgré que je suis pas trop vieux. Hein. Pour fêter la naissance de la fille d'Enoch, les fameux Lopez, les célèbres gitans du web, ont fait le déplacement. La famille Lopez fait la dédicace. La famille Lopez, les cousins du rappeur, font le buzz sur Internet depuis des années. Je suis obligé de faire ça, parce qu'il y a une qui veut se battre avec moi.
Mon petit frère qui est ici, là, il t'a mis une volée. Lui, il t'a mis une volée. Tu te sors comme une p***, mon vieux. Tu fais clairement. Dans ces vidéos, s'insultent et se défient deux clans de la famille Lopez. L'un de Clermont-Ferrand, les cousins d'Enoch, les Lopez du 63. Les Lopez 63, moi. L'autre de la Nièvre, les Lopez du 58. Là, les Lopez du 58, là. L'origine du conflit remonte à 2011. À l'issue d'un repas de famille trop arrosé, une rixe éclate entre les deux clans. Puis, pendant deux ans, la bataille virtuelle fait rage sur le net. Pour le plus grand plaisir des internautes. Avance, qui les hommes. Grosse de faire ta grosse pute. Là, une grosse vache. Là, c'est du pêche, mon copain. Venez, on encule tous, un parent, là, vous baisse comme ça, là. Bim, bim. Ça, c'est du pêche, mon copain. En février 2013, le clash des gitans se termine dans le sang. L'un des Lopez est blessé par arme à feu. L'agresseur a été condamné à 3 ans de prison ferme. Mais cette guerre des clans est désormais derrière eux. Ce soir, pas de guerre des gangs. Ils sont là pour célébrer le clan qui s'agrandit. Spéciale dédicace pour Cassiopée. Ah, santé, ça pue. L'ambiance est bonne enfant, mais les Lopez du 63 tiennent quand même à nous montrer leurs impressionnantes bagues, un des signes de reconnaissance du clan. Chez vous, les Français, pour l'instant, pour une alliance, ben, nous, c'est notre alliance, mais. Voilà. Et familiale, familiale, voilà. Toute la famille. On représente toute la famille Lopez, là. Toute la famille Lopez, et puis ça voilà. Fait mal, là. En gros, chez nous, dans les Lopez, on n'est pas agressif. Ouais. Mais si on nous cherche, c'est-à-dire qu'on est là pour dégainer. Ouais.